Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Journée un peu spéciale aujourd'hui, on va s'intéresser aux moissons, à la moisson. Vous vous souvenez de mon ami Jean-Charles, j'avais fait une petite vidéo sur sa ferme et son exploitation. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va l'accompagner et voir un petit peu comment ça se passe les moissons. Donc c'est pas un reportage sur les moissons, mais on va simplement s'intéresser un petit peu aux qualités d'image du Fimi X8 SE, puisque dans cette vidéo, je vais essayer bien sûr de vous faire un rendu en 4K, 60 FPS, même si c'est un peu lourd pour ma table de montage, mais au moins on aura des vidéos, je vous montrerai, je vous l'indiquerai à chaque fois, des vidéos en 4K 30 FPS, des vidéos en 2,7K 60 et des vidéos en 1080p et je pense en 90 FPS. Bref, je vous mettrai tout ça bien sûr au fur et à mesure dans la vidéo. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe les moissons. D'abord la moissonneuse batteuse, après la botteleuse, enfin le tracteur qui fait les bottes, parce que même moi je découvre, on a un petit peu de vent comme vous le voyez. Mais j'espère que ça sera propre quand même. Allez, c'est parti! Bon vol les amis et bonne moisson! We'll be right back.
Les amis, bah écoutez, j'espère que ces petites images vous auront plu. Moi, j'ai bien kiffé. Décidément, je regrette pas mon achat avec ce petit Fimi X8 SE. Il y a vraiment moyen. Deux batteries hier, deux batteries aujourd'hui. Il me laisse jamais tomber. Il fait vraiment ce que je lui demande. Et pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Avec le Xiaomi Mi Drone, c'est vraiment deux engins sur lesquels on peut compter, je pense. Et le Fimi, encore plus petit, plus rapide à préparer.
franchement que du bonheur. Donc bien sûr, les liens sont dans la description, mais je ne vais pas vous laisser comme ça, évidemment. J'ai emmené les petites Ishii 9V200D. Merci encore, bon Fab. Dans la description aussi, l'adresse de Fab, Arrow FPV, si vous voulez des antennes sur mesure. Merci, mon petit Fab. Elles sont magnifiques avec la petite tresse en noir et blanc et les petits raccords ici pour mes patchs. Que du bonheur. Je suis heureux comme tout. Donc, je ne vous laisse pas là-dessus. On va se faire un petit peu d'acrobatie vite fait. On va aller compter les meules ensemble. Donc pour ça, j'ai emmené mon petit IMAX Hawk 5 avec la session 5 dessus. On va se faire une petite balade, quelques petites acrobaties et essayer de ne pas se prendre le tracteur de plein fouet. Allez, merci à vous, merci de votre soutien. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker ou de partager. Allez, merci d'avoir suivi. Moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!